D'abord, une toute petite communication de service, comme dans les gares. Ceux et celles d'entre vous qui sont à la tribune, nous leur porterons la communion au moment voulu, donc vous ne devez pas descendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À vous qui êtes présents, et à vous tous qui nous accompagnez de loin grâce à Internet, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le temps est court, proche, et maintenant le retour du Fils de l'homme. Préparez les chemins du Seigneur. Préparons les chemins du Seigneur. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps du salut. Préparons le chemin du Seigneur. Vous attendez le jour du Christ. Dieu vous fera tenir jusqu'au bout. Préparons le chemin du Seigneur. Il vient avec tous les saints dans la splendeur de sa gloire. Préparons le chemin du Seigneur. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Seigneur. Veillez, le temps est court, proche est maintenant le retour du Fils de l'homme. Préparez le chemin du Seigneur. C'est une belle coïncidence qui fait que la fête de Saint-Nicolas tombe ce deuxième dimanche de l'Avent. Francesco m'avait demandé de mettre la crosse de Saint-Nicolas ici à côté et j'ai refusé parce que je trouvais que c'était un peu trop folklorique, mais l'idée est là, Saint-Nicolas c'est sa fête aujourd'hui. Mais dans une notice sur lui, on ne parle pas de Saint-Nicolas, patron des écoliers et distributeur de cadeaux dans la cheminée de la maison, mais il est dit que Saint-Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est pour la spiritualité russe l'autre Christ, le saint qui, sur les traces du Sauveur, a parcouru la terre russe pour apporter consolation et salut à ceux qui l'invoquent. Et il apparaît aux yeux des Russes comme la bonté même. Et la preuve en est, c'est que parmi les icônes de Saint-Nicolas sont extrêmement abondantes. Alors, Nicolas, témoin de ce Dieu bon dont toute la liturgie de ce jour nous entretiendra, que dans sa bonté, le Seigneur vienne maintenant nous sauver. On a besoin de ce salut. À tout moment, le malin nous tend des pièges et quand on croit que tout va bien, boum, on tombe dans la médisance, le non-amour, et donc nous avons vraiment un grand besoin d'être sauvés. C'est pour cela que nous invoquons maintenant de tout cœur le Seigneur. Toi qui as vaincu les ténèbres, conduis ton peuple à la clarté de ton amour. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver.
qui as proclamé la bonne nouvelle. Accueille-nous au royaume de gloire. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi qui as inauguré la création nouvelle, viens achever l'œuvre de tes mains. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Que Dieu très aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Dans la seconde épître de Pierre, bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Planifiez sa route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les anciens missels et même dans les nouveaux, il y a tout au début de la messe ce qu'on appelle l'antienne d'introïte, une toute petite antienne qui dans le temps était chantée en grégorien, mais qu'on retrouve maintenant presque dans les mêmes termes dans les missels modernes. Alors quoi de plus beau que la première antienne de ce missel au deuxième dimanche de l'Avent ? Voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes, tous les êtres humains. Il fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Et en effet, dimanche après dimanche, l'Église essaye de se mettre à la place des chrétiens rassemblés aux quatre coins du monde pour partager avec eux de quoi les maintenir en santé. Santé du corps, oui, mais aujourd'hui, santé de l'âme dont nous avons tant besoin. Et donc nous sommes invités à mâcher, à goûter ce qui nous sera servi aujourd'hui par le prophète Isaïe, par l'apôtre Pierre et par l'évangéliste Marc, sans oublier bien sûr Jean-Baptiste. Isaïe semble nous prémunir contre la peur et la tristesse. Consolez, consolez mon peuple. Récemment, dans un article de journal, une dame qui avait perdu ses deux filles parlait de la consolation. Elle expliquait qu'il ne s'agissait pas d'inonder une personne de belles paroles, encore moins de fuir sa présence, mais d'être là tout simplement, d'oser rester assis à côté de quelqu'un qui souffre, sans craindre de ne savoir quoi dire. Être là, près de la personne, sans oublier son âme. Nos âmes ont été oubliées, écrivait récemment un éditorialiste. Or, la dimension spirituelle, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane ou laïque, fait partie intégrante de notre humanité. Et, poursuivait-il, l'absence de toute référence à ce besoin d'élévation, de transcendance, est interpellante.
Non moins important encore est le fait de faire mémoire de la source de toute consolation. L'Esprit Saint n'est-il pas appelé consolateur, paraclet? Pour parler de Dieu et de son rôle de consolateur, Isaïe préfère des images moins abstraites, plus familières. Loin des pantocrators terribles des absides byzantines, il nous fait un portrait incroyable du Seigneur. Comme un berger, il rassemble son troupeau. Et puis, dans une autre traduction, il porte sur son sein les agnelets et procure la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Si l'image du berger nous est un peu étrangère, nous ne pouvons dire la même chose de la mère berçant son nouveau-né. Pensons-nous parfois à Dieu dans ces termes-là? Pierre, quant à lui, nous met en garde contre la crainte et le découragement. Il ne s'agit pas, dit-il, de s'effrayer, quelles que soient les catastrophes dont le monde est le théâtre ou dont notre cœur est le théâtre, mais il s'agit d'attendre, mais pas attendre dans l'indifférence et la passivité, mais, dit-il, dans la sainteté. De nouveau un mot un peu piégé, mais on peut le traduire, la sainteté, c'est-à-dire dans l'engagement chrétien à la suite de Jésus. Et ça m'a frappé que tous les évangiles de la première semaine de l'Avent, la semaine dernière, nous ont donné à méditer, non pas sur un petit enfant dont on se prépare à célébrer la naissance à Noël, mais ils nous ont montré le Maître sillonnant la Palestine et faisant le bien partout où il passait. Il se faisait nourriture, guérison, consolation pour tous ceux et celles qui l'approchaient. Et donc, quand Pierre exhorte les siens, « Faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut », je pense qu'il ne pense pas à autre chose qu'à une vie conforme aux sentiments présents dans le Seigneur Jésus, comme le dira Paul. Et Pierre conclut, « Tout cela, vous le faites non pas dans la panique, mais dans la paix, dans la paix. » Jean-Baptiste, enfin, parle de préparation. Et là aussi, il me semble qu'il ne s'agit pas d'une incitation à un activisme effréné, mais plutôt un entraînement à l'humilité. Se préparer à un événement venu d'autre part. Le psaume 84 que nous venons de chanter le disait déjà, « Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. » Ce n'est pas nous, c'est « Le Seigneur dit, c'est la paix. » Son salut est proche, pas notre salut. La vérité germera de la terre. Et du ciel se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et pour reprendre saint Paul encore, dans sa lettre aux Romains, il dit « Il ne s'agit pas de l'homme qui veut et qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc, il est question surtout de se préparer à recevoir, à reconnaître le donateur. Il y a tant de belles choses qui se passent dans le monde, des dévouements, des générosités, des engagements, mais est-ce qu'une minute nous pensons à celui qui inspire tout cela, à celui qui donne?
Jean semble pressentir que son baptême à lui n'est qu'une faible image de ce qui suivrait. Ce n'est pas lui qui sauve. Il se contente de préparer, de désigner, de frayer le chemin des cœurs à celui qui offrira le don le plus magnifique. Frayer le chemin. Oui, notre part, ce sera de frayer le chemin, de préparer, de combler nos ravins, de raser nos montagnes de toutes sortes que nous trouverons à l'intérieur de nous-mêmes pour préparer le chemin. Et pour le préparer à ce don le plus magnifique qui est l'Esprit Saint, Esprit de Jésus, Esprit du Père, Esprit du berger qui porte les agneaux sur son cœur et qui guérit pour de bon le monde de ses misères. Grâce au Christ Jésus, le Père se fait pour nous en cette Eucharistie berger attentionné. Et reprenons l'antienne de l'introïte en la modifiant quelque peu. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur est venu pour sauver tous ses agneaux. Il a fait retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Rendons grâce. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Prions pour l'Église répandue de par le monde. Donne-lui la force, Seigneur, d'élever la voix au milieu du tumulte du monde, pour annoncer avec puissance ta venue prochaine. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Prions pour tous ceux qui dirigent les nations. Ouvre leur cœur, Seigneur, pour qu'ils écoutent ce que tu dis. Car ce que tu dis, c'est la paix pour tous les peuples. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Prions pour ceux qui souffrent de la méchanceté des hommes ou de la dureté de la vie. Seigneur, révèle-leur que Jésus est leur bon berger, qu'il prend un soin particulier des petits agneaux, qu'il les porte sur son cœur. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Pour notre communauté, pour nos familles, qui se rassemblent dans l'attente de ta venue, montre-nous, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Seigneur, fais qu'en notre vie de chaque jour,
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le temps de notre vie, Seigneur, c'est le temps de ta patience envers nous. Donne-nous d'utiliser la grâce de ce temps de l'Avent pour revenir vers toi et nous convertir. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Prions encore le Seigneur. Qui, ces jours-ci, doivent être opérées, que tout se passe pour le mieux. En ce jour de la venue du Grand Saint, prions pour toutes les familles, qu'elles restent unies et le plus en harmonie possible. Tous ceux que nous connaissons qui portent le nom de Nicolas. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, mes sœurs, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
propitié mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Unis dans un même esprit, nous osons dire avec confiance les paroles qui nous ont été révélées par le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui en es la source maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères, échangeons entre nous un signe de paix.
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et très aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, bon temps de l'Avent.